Tsugi, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui dans le quatrième épisode de la série Programme Richesse, les potos. Ça fait extrêmement plaisir. Ça progresse. On est le 26 février, donc plus que 3-4 jours pour le 1er mars, qui est l'économie d'ingrédients. On va essayer de préparer un gros craft comme prévu les potos. Et donc je vais faire un petit rappel vite fait. Alors on a vu dans la deuxième épisode le up de la team, le 298 en 24 heures. C'était plutôt pas mal, et merci du fond du pec pour vos retours sur la vidéo, c'était vraiment énorme. Dans un troisième épisode, on a vu bien une petite compilation sur les bons moments de Frigos 3, hein. Ça vous avez kiffé ce format de vidéo, donc pourquoi pas ne pas continuer sur Sufokia et sur les dimensions aussi. Pourquoi pas les potos, ça vous motive, et moi aussi quand je revois mes vidéos les potos, je me remotive pour continuer la suite. C'est vraiment énorme, merci à vous les potos et merci à moi, voilà. Ça c'est dit les potos. Alors du coup, comme prévu, j'ai rush Sufokia dans les deux jours dans les deux jours qui ont été après la vidéo du Frigos 3. Et le résultat, les potos, il est vraiment énorme. Je vais vous montrer directement ça. Pas de suspense ni quoi. Alors, j'ai tout fait, les potos. J'ai vraiment tout fait. Alors, Captain Meno, avec succès, pusillanime. Cthulhu, avec succès, pusillanime, encore une fois. Dantinia, avec succès, statue. Et Mercator, avec triple succès. Succès dernier, plus succès mystique, qui était plutôt pas mal. Avec un petit succès des mobs, qui donne 10 par ressources. C'est plutôt pas mal. Ça fait 60 de ressources, voilà, pour crafter ces items. C'est plutôt pas mal. Et voilà les potos, du coup directement on va mettre du bleu. Ça fait extrêmement plaisir les potos. Putain, ça verse vraiment nickel. Et même avec la programme team, j'ai pas réussi à faire les deux succès. Cthulhu, je l'avais foiré, hein, tout simplement. Et dans Tinia, j'avais pas le courage pour le faire. Et là, avec la Project Team, je me suis lancé dessus parce que j'avais la motivation, et c'était vraiment facile parce que j'ai géré en deux tentatives seulement le succès statut sur la Dantinia. Voilà, c'est comme ça. J'ai roxé avec Iop seulement et Ekaflip, ces deux personnages qui ont tapé la Dantinia, et je l'ai tué au tour 3 il me semble. Donc c'était plutôt pas mal. Et donc là du coup les potos, on va essayer de rush la suite parce que il reste plus que 3 jours, hein. On n'aura pas la même opportunité pour économiser des ressources pour crafter, donc plutôt accélérer un maximum les potos. Et du coup on va voir la valeur estimée. Alors je vais juste vérifier, voilà, mon inventaire il est vide, il y a qu'une seule petite clé, mais c'est pas trop grave, on va valider tout ça. Alors déjà les potos, si je voulais up level 200, je saurais déjà level 200 sur tous mes personnages les amis, parce que voilà, regardez la barre d'expérience. Tu vois, donc c'est vraiment pas mal les potos. Et mais moi j'ai pas envie de up, j'ai vraiment pas envie de up, j'ai envie de continuer mon projet Kara sans up level 200. Voilà, ça va être propre et ça va être nickel. Donc voilà, c'est mon choix, c'est comme ça. Alors du coup on va valider tous ces putains de succès. Regardez les kamas que je dégage par succès, c'est vraiment énorme. Là je viens de valider au minimum 10 succès, ce qui fait 400 000 kamas par personne. C'est que du bénéfice, hein. C'est que du bénéfice. Et regardez l'estimation des potos, ça fait 22 millions par personnage. 22 fois 6 personnages, ça fait 132 millions de kamas. Comme ça, easy peasy, en deux journées seulement, 132 millions de kamas. Voilà, c'est tranquille, c'est nickel. Et ça va bien, trop bien marcher avec l'économie d'ingrédients, puisque je vais encore accroître ces putains de millions de gamas, ça va être vraiment nickel. Et donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, même si c'est pas toujours la fin. Je vous ai fait un petit montage vers la fin, comme vous l'aimez les potos, pour Sufokia, les bons moments et tout. N'hésitez pas à lâcher un gros commentaire et proposez-moi si vous avez envie de revoir le replay complet d'un combat, par exemple Dantinia succès statue ou Cthulhu ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les potos, je vous kiffe, ciao.
giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Go.